La porte est branchée sur l'alimentation de secours, mais il y a un code. Le site 1 fonctionne avec des codes de sécurité individuels. Chaque avant-poste organise son propre protocole. Contente-toi de dire qu'on a besoin d'un code pour l'ouvrir. Ouverture impossible sans code. J'ai trouvé une carte d'accès. Ça devrait nous permettre d'entrer. On a subi notre première perte aujourd'hui. Une tempête est venue de nulle part. Leclerc a essayé de protéger nos plantations. Il a perdu l'équilibre et il s'est fait emporter. Sa femme est toujours en cryo. D'ici son réveil, je saurai peut-être comment lui annoncer ça. La porte principale était alimentée, mais pas les portes intérieures. Une station relais opérationnelle serait nécessaire pour tout faire fonctionner. Ça veut dire que l'antenne est hors tension aussi. Les registres nous en diront peut-être plus sur le relais d'alimentation. Cette analyse nous fournit d'importantes données de recherche pionnières. Continuez à scanner et collecter ces données. Nous pourrons développer de nouvelles technologies et améliorations pour vos armes et armures. Entre les tempêtes de sable et les radiations, Addison pensait à quoi quand elle nous a envoyés ici ? Léo avait peut-être l'air parfaite quand on était dans la Voie Lactée, mais maintenant, c'est l'enfer. Fartingale, ne me lâche pas. Elle veut qu'on reste positif, et qu'on garde la tête haute pour le reste de l'équipe. Mais je peux pas m'empêcher de penser que je vais mourir ici. J'ai une partie du registre, mais je ne peux pas allumer l'antenne. Le courant est bloqué. Un verrou a été activé à distance. Les interférences proviennent d'un relais d'alimentation à proximité. Alors on n'est pas les seuls à s'intéresser à ce qui s'est passé ici. Allons jeter un coup d'œil à ce relais. Regardez cet endroit. C'est un désert. Les radiations dans l'atmosphère des hauts sont défavorables au développement de la vie. Des radiations ? Nos combinaisons nous protègent, hein ? Le site 1 dispose de pylônes déflecteurs pour atténuer les effets de la contamination. Et si jamais on sort de l'enceinte du site 1 ? Je vous le déconseille vivement. Structure droit devant. Sam ? Cette structure a toutes les caractéristiques d'une station relais pionnière. Bien, si on la remet en marche, le courant devrait revenir dans les bâtiments.
et on pourra localiser le signal. Les pylônes déflecteurs nous protègent contre les radiations, mais ils s'abîment vite. Regardez le numéro de l'eau. L'avant-poste en a déjà consommé un paquet. Faut croire que c'était pas un vaisseau Kert. Ils sont pas du genre à toquer à la porte. Il y a des gens ici? On pensait que tout le monde était parti. Ça m'étonne pas. Maintenant, dégagez. Trouvez-vous un autre coin de récup. Ici, c'est pris. Je ne suis pas une récupératrice, je suis une pionnière. On vient arranger tout ça. Je m'appelle Clancy. Pionnière, hein? Ça change pas grand-chose. Décidément, le Nexus a beau se prendre des vestes à répétition, il arrive pas à faire une croix sur Eos. J'ai détecté un signal qui va aider Eos. J'ai seulement besoin de courant pour l'antenne. Si j'ai coupé le courant, c'est pas pour rien. Les cartes sont de patrouille aujourd'hui. Si vous rallumez le relais d'alimentation, ils vont voir qu'une jolie cible les attend ici. Aidez-moi à rallumer le relais d'alimentation et je m'occuperai des cartes. Vous êtes cinglé, mais peut-être dans le bon sens du terme. D'accord, je vais activer les générateurs. Vous voulez jouer avec le feu? C'est votre problème. On risque d'avoir des ennuis après avoir démarré les générateurs. Erreur dans la séquence de démarrage. Une intervention manuelle est nécessaire. Et merde! Analysez l'un des pylônes pour déterminer un emplacement d'intervention piratable. Le générateur est en marche. Sam, ce cher Clancy, il faisait partie du personnel de l'avant-poste? Négatif, pionnière. Les registres du Nexus indiquent qu'il est affecté au hangar. Alors qu'est-ce qu'il fait là? L'école buissonnière? Il est peut-être récupérateur à temps partiel. On a de la compagnie. Pour les cartes. La station relais est prête à être activée, pionnière. Porte hors service, pionnière. Elle est restée trop longtemps sans alimentation. On n'avait pas prévu des conditions pareilles. Vous avez abattu toutes ces cartes? D'accord, utilisez le relais. Prenez ce que vous voulez, d'ailleurs. Juste un petit conseil. Si votre signal se trouve au-delà du périmètre, il vous faudra un véhicule. Un véhicule? Des navettes par ce vent, c'est pas l'idéal. Il va vous falloir des roues. Je crois qu'ils en ont gardé en réserve. Je vais refaire le tour de l'avant-poste. Il s'agit pas juste d'en trouver. J'espère que vous serez plus malines que nous. On retourne à notre navette. Continuez comme ça. Peut-être que la prochaine fois, on trouvera mieux que de la ferraille par ici. Allez-y, on s'en occupe. La Zinzin bleue va devoir acheter ses pièces détachées ailleurs maintenant. Courant rétabli. On devrait avoir accès à l'intégralité du site 1. Hein, Sam? Exact. J'ai également localisé la source du signal qui provient d'une structure alien
située juste derrière le site 1. Elle est très similaire à celle que votre père avait utilisée pour rétablir l'atmosphère de la planète précédente. Vous devriez aller vérifier. On dirait presque qu'on a une piste. T'as bien raison, Sam. Allons vérifier. Bien dit. Attention aux radiations au-delà du périmètre du site 1. Elles sont au-dessus des limites acceptables. N'y allez que si vous avez un meilleur équipement. Raison de plus pour aller voir si cette structure alien peut modifier cette planète. On ferait mieux de trouver le véhicule dont parlait Clancy. Maintenant que le courant est rétabli, nous pouvons explorer les bâtiments alentour. Les murs pouvaient parler. Il se trouve qu'avec suffisamment de données sensorielles, il est possible de reconstruire une image du passé. Attends, tu peux faire ça? C'est normalement impossible, mais ce bâtiment appartient à l'initiative. J'ai donc accès à une multitude de systèmes et de données. Putain de merde! Ça marche! On peut avoir le son? Compilation en cours. On ne survivra pas à une autre attaque. On doit déjà combattre les tempêtes et les radiations. Et maintenant, ces choses... On ne peut pas retourner sur le Nexus, la queue entre les jambes. Tout le monde là-bas compte sur nous. Ils ne compteront bientôt plus que sur des cadavres. Ces choses, ils doivent parler des cartes. Wilcox me prend pour un fou, mais je sais ce que j'ai vu. Il y avait des yeux qui nous observaient depuis les montagnes. On n'est pas seul ici. Cet enregistrement date de la veille de la première attaque des Kertes sur le site 1. Les Kertes faisaient du repérage. Il y avait un truc qui clochait sérieusement au deuxième avant-poste qu'ils ont installé. Pire que des radiations mortelles? Aucune idée, mais le site 2 avait lancé un projet spécial pour régler le problème. Gardons ça en tête pour plus tard. Sérieusement, Ryder! Ça ressemble à du pillage, et récent, quelques jours à peine. Sûrement le type du relais ou ses amis. Tiens donc, le centre de recherche de l'avant-poste est toujours intact. Je préviens le Tempête de cette récupération cruciale. La recherche a toujours été essentielle pour l'initiative. On en aura besoin ici aussi. Cette technologie, c'est ce qui nous permet de survivre dans Andromède. L'ingéniosité sur le terrain. Quelqu'un d'autre est du même avis. Ce centre de recherche a été utilisé récemment pour surveiller le signal alien. On a les outils nécessaires pour trouver la source. Et peut-être d'autres personnes qui la cherchent. La station de recherche est activée. J'ai dressé une liste d'armes que nous pouvons fabriquer en rassemblant les composants nécessaires.
Malgré toutes les difficultés, les colons ont quand même essayé de tenir le coup. Ils savaient pas ce qui les attendait. On leur a rien dit. Sam et moi, on aurait pu les aider. Ça ne se reproduira pas. Réquisition spéciale, véhicule éclaireur tout terrain. Un nomade, 6 roues motrices, micro-propulseur, tout ce qu'il vous faut. L'initiative n'en a construit que quelques-uns. C'est sûrement le véhicule dont parlait Clancy. Le conteneur nécessite le code d'accès d'une station avancée. Les stations avancées font office de postes de ravitaillement d'urgence. Plusieurs d'entre elles sont actuellement en orbite. Je peux en faire descendre une, mais il faut qu'on trouve un bon emplacement. Protocole automatisé activé. Déploiement de la station avancée. On dirait que les réserves... de la station avancée sont intactes. Téléchargement du code d'accès du conteneur du nomade. Matt devrait pas avoir de soucis. Vous pouvez vérifier la marche avant et la marche arrière. Pas d'adhérence, c'est trop raide. Passez en 6 roues motrices. Vous serez en haut en un clin d'œil. Pensez aux micropropulseurs du nomade. Ils vous aideront à franchir la plupart des obstacles. J'ai trouvé. Le signal vient de cette structure devant nous.
Je détecte de la technologie de l'initiative à proximité. Ça vient d'au-dessus de nous? Je la vois, sur cet échafaudage. Mais la vue est magnifique. Qui serait assez fou pour transporter de l'équipement lourd là-haut? C'est trop sophistiqué pour un récupérateur. Qui d'autre pourrait bien étudier cet endroit? Ça marche, mais je reçois seulement des symboles aléatoires, des glyphes. En ajoutant d'autres glyphes à ma base de données de l'Habitat 7, je pourrais m'interfacer complètement avec la console. Et avec un peu de chance, ça nous permettra d'activer ce qui stabilisera l'atmosphère. Le scanner me permettrait d'analyser cela, pionnière. Allons résoudre ce machin. Connexion en cours. Toutes mes excuses pour la gêne occasionnée. Le système semble instable. Il s'est passé la même chose que mon père l'a fait. Votre père s'est connecté directement au processeur d'atmosphère. C'était extrêmement dangereux. Ces structures cachent peut-être le centre de commande. Le système est toujours instable. Doubler la puissance pourrait accélérer le processus. Je vais essayer. Non ! Enlevez-vous de là, ou je tire ! Oula ! Du calme ! Échouer maintenant, ça serait dommage. Ça fait des mois que j'étudie ce truc. Je sais pas comment vous avez activé ces glyphes, mais il faut les laisser passer par tous leurs canaux. Vous pouvez me faire confiance. Tout ira bien. Je sais, je sais. Je suis qui, moi? Je veux dire, je sais qui vous êtes, moi. J'ai vu le vaisseau descendre. Vous êtes une pionnière. Je commençais à me dire que l'initiative vous avait inventée pour qu'on perde pas espoir. Mais non, vous voilà. Et vous, vous êtes qui? Vous étiez sur le point de me le dire. Je suis peut-être la solution à tous vos problèmes. Hé, regardez. Le système s'est stabilisé. J'établis la connexion. Attention, ça va me faire.
Pas mal. Mon premier accrochage avec les reliquats s'est beaucoup moins bien passé. Les reliquats ? Ces monolithes, les observateurs, les assembleurs, ce sont les reliques de quelque chose de bien plus grand. Mais ça fait trop long comme nom. D'où les reliquats. C'est aussi pour ça que je me fais appeler Pibi. Merci pour votre aide avec ces... trucs. Je m'appelle Ryder. Vous êtes une vraie énigme. J'étudie ces glyphes depuis des mois et vous, vous débarquez et bim, problème résolu. J'ai vu cette technologie dégager le ciel sur l'Habitat 7. On espère qu'elle pourra en faire de même sur Eos. De la manipulation d'atmosphère ? Possible, ça collerait bien. Toutes les pièces de technologie reliquate sont liées. Vous avez réussi à interagir avec ce monolithe, et maintenant, ils communiquent avec les autres. Si vous les réveillez eux aussi, ils vous mèneront sûrement au système capable de dissiper les radiations. Vous êtes sûr que ça va aider Eos ? J'ai l'impression que ça vous arrange bien que quelqu'un vienne activer ces monolithes. Vous m'insultez, Ryder ? C'est ça. Ok, peut-être, mais on aura toutes les deux ce qu'on veut au final. Et c'est pas comme si cette planète avait grand-chose à perdre. Tenez, mes coordonnées. Je serai... Il faut que j'étudie cette histoire d'interface. Faites gaffe, cette planète est pleine de surprises. Le niveau de radiation augmente rapidement, pionnière. Un autre déclencheur de souvenirs ? En effet, mais rien n'a été déverrouillé dans ma mémoire. Des déclencheurs supplémentaires sont nécessaires. Le niveau de radiation ne dépasse pas les limites acceptables. En approche du site 2, Résilience. Ça devait être celui qui fonctionne, mais on n'a pas pu le mettre à l'épreuve du temps. Les cartes l'ont rasé. D'après ce datapad, le site 2 travaillait sur un projet. Ouvrez l'œil. Les niveaux de radiation augmentent rapidement, pionnière.
une couverture portable de conception Kert. Il n'y tenait pas tant que ça, visiblement. Le Nexus n'a pas fait rapatrier les corps? On les croyait perdus, Ryder. On ne savait pas qu'ils avaient été abandonnés à leur sort. Je me demande combien ils sont là-dehors. Beaucoup trop. Lexi, mettez le dossier de Gordanos Trinitus à jour et envoyez-nous une navette de rapatriement. Bonne idée. Sa famille a le droit de faire le deuil. On va leur donner mieux que ça. On va finir ce qu'il a commencé. On dirait un champ de bataille. D'après les survivants, les cartes ont attaqué de tous les côtés. Lexi, j'ai un autre corps. Entendu. J'attends votre scan. Hilar. Dossier mis à jour, pionnière. Pionnière, j'ai suffisamment de données sensorielles pour reconstruire une image du passé. Peut-être qu'on peut repousser les cartes. Avec quelle armée? Est-ce que tu sais au moins enlever le cran de sûreté de ton pistolet? Je réfléchis juste à nos options. Évacuer ou mourir, voilà nos deux seules options. L'initiative n'est pas une opération militaire. Ils n'étaient pas prêts. Peut-être qu'on peut repousser les cartes. Avec quelle armée? Est-ce que tu sais au moins enlever le cran de sûreté de ton pistolet? Je réfléchis juste à nos options. L'initiative n'est pas une opération militaire. Ils n'étaient pas prêts. Je pensais qu'il y aurait plus de corps, mais tant mieux. Il ne reste pas grand monde pour un massacre. Et si quelqu'un les avait emmenés? On sait que le Nexus n'est pas venu récupérer les corps. Vous croyez que ça pourrait être les cartes? J'espère bien que non. Terminaux secondaires. Pas d'accès. Sam ? Si le déploiement s'est effectué conformément aux normes, l'accès principal doit se trouver plus loin. C'est beaucoup trop calme. On dirait qu'ils sont partis rapidement. D'après les rapports, l'évacuation a été interrompue par les Kert. Pionnière, un bulletin de maintenance a été émis au moment de la coupure. Ça dit quoi? Fuyez. Voilà des guerres. Fermez la porte, vite! Tempête, on a un ennemi inconnu. Évacuez la pionnière. Hé, attendez un peu. Pas moyen, Harper. On ne peut pas se montrer maintenant, des cartes se dirigent vers vous. Des cartes en plus de ce machin? Merde! Restez sur vos gardes. Ce monstre traîne dans les parages. Et les cartes se joignent à la fête. On ne peut rien faire tant qu'ils sont là. Ah.
des renforts. Attention! Je sais pas ce qui est pire, ça ou mourir à petit feu comme ma promesse. Un positif, Liam. J'ai un composant pour le projet du site 2. Des schémas pour un projet spécial Sigma. Ils construisaient quelque chose, mais il manque des morceaux. Ça doit être le projet sur lequel ils travaillaient au site 1. Un moyen de combattre les Kertes. On pourrait finir le travail. Tous les composants du site 2 avaient des systèmes de sécurité. Compilation de coordonnées possibles en cours. Ça m'étonne que le Nexus veuille toujours un avant-poste sur Eos. Vous savez ce qu'on dit ? Jamais 203. On réussira.
imaginez quitter toute la folie du Nexus pour être les premiers colons à arriver ici? Tout le monde compte sur vous, et puis... Cette fois, ce sera différent. Exact. C'est notre élément. Il y a sûrement des Kert ici. Occupons-nous d'eux. Déclenchement du déploiement automatisé de la station avancée. Je crois que c'est bon. Les zones minières ont été ajoutées à votre système de navigation pionnière. Je détecte des niveaux de radiation supérieurs à la normale. Attention, six reliquats ont vu. Il y avait des formations ennemis de sorts droit devant sur Terre. Rien de tel pour nourrir l'imagination des gamins sur les mondes extraterrestres. L'eau, le climat, il n'y a rien de plus puissant à long terme. Pionnière, il est possible d'extraire des ressources dans cette zone. Vous pouvez extraire des minéraux via votre interface minière. Vous vous souvenez des premières données d'Eos qu'on avait reçues dans la Voie lactée? Quand tous les lieux s'appelaient H, suivi d'un tas de chiffres. Votre père avait affiché les résultats des analyses dans son bureau. Il les connaissait par cœur. Je me demande à quoi ces mondes ressemblaient vraiment à l'époque. Et maintenant.
navette là-bas. Ça vaut la peine d'aller voir, ne serait-ce que pour empêcher les Kert de mettre le grappin dessus. Des pièces pour le projet du site 2. Nickel. Possible d'extraire des ressources dans cette zone. Vous pouvez extraire des minéraux via votre interface minière. On dirait une sorte de complexe Kert. Ces fumiers m'ont piqué mon meilleur site de recherche. Ils vous laisseront pas approcher du monolithe comme ça. Navette ennemie en approche. Thank you.
pourquoi envoyer des renforts. Ils savent qu'on est là? Ils ont bien protégé le monolithe. On va devoir couper l'alimentation du bouclier. Les niveaux de radiation augmentent. Tâchons de l'atteindre avant qu'on ait d'autres.
Vous êtes qui ? C'était impressionnant. Ouais, je veux bien le croire. Je sais toujours pas qui vous êtes. Je suis la pionnière. Tiens donc. Appelez-moi Ryder. Drak, du clan Nakmor. Vous m'excuserez de pas faire confiance à des inconnus du Nexus, mais on peut pas dire qu'ils aient bien traité les Krogan. Qu'est-ce que vous venez faire ici ? On examine ces monolithes. Les cartes semblaient s'intéresser à celui-ci. Mais on dirait que vous avez fait le ménage. Vous vouliez que je vous en laisse un peu ? Le Nexus sait que dalle sur les cartes. Il se croit en sécurité. Mais c'est juste des morts en sursis. Ça fait un moment que je baigne dedans, moi. J'ai déjà détruit des bases Kert et combattu des troupes sur deux ou trois planètes. Je sais de quoi ils sont capables. C'est pas beau à voir. On aurait bien besoin d'un Krogan comme vous, Drak. C'est flatteur, mais vous savez combien d'humains j'ai vu mourir ? Vous êtes de la viande, vous périmez. En plus, le prenez pas mal, mais j'aiderai à nouveau le Nexus le jour où les nuages se dissiperont et les Kert mordront la poussière. Je le prends pas mal. Tant mieux, parce que je m'ennuie. Et les Kert se renforcent. Ils semblent s'intéresser de près à cette technologie alien. Les reliquats ? Ouais, ça. Je vais aller en trouver d'autres à allumer. Faites attention à vous. Plus on est de fous, non ? Darin T. Anton. On ne peut pas revenir en arrière, mais on honorera sa mémoire. Sans aucun doute, pionnière. Acadnero. Miss Lekad. Un registre de terrain, pionnière. Remis à une patrouille Kert. J'ai pas besoin d'une traduction pour savoir que j'entends un monstre. Ajout à la base de données linguistiques. Tous les composants du site 2 sont présents. Direction la station de recherche du site 2 pour voir ce qu'on peut en tirer.
devriez à présent pouvoir activer l'interface, pionnière. Et voilà le travail. Ça fait un truc. Je vois des chemins qui s'allument un peu partout. Les monolithes résonnent. Est-ce que ce serait des sensibles ? Je ne sais pas trop ce qui se passe, mais ils sont en train de se connecter. Bien joué. Vous arrêtez pas en si bon chemin. Je détecte des niveaux de radiation supérieurs à la normale. Citrolica, il y a peut-être des gardiens. Il y a sûrement des Kert ici. Occupons-nous d'eux. Kert en vue, pionnière. Je vous recommande la prudence. Je crois que c'est bon. Je détecte un dispositif reliquat ici. Je vous suggère d'effectuer... Qu'est-ce que ça fait dans un camp Kert, ça ? À en juger par les dégâts, les Kert extrayaient des données. Ce noyau est trop endommagé pour lire ce qu'ils ont reçu. Alors on va devoir en trouver d'autres.
que le chef Reynolds est mort. Les fréquentes tempêtes de sable ont certainement enseveli le corps. Un scan serait de mise. Des carquines. Une pièce d'armure est enterrée plus profondément, pionnière. Une jambière. Les scans indiquent la présence de tissus et de fragments d'os. L'ADN correspond à celui du chef Reynolds. Les données suggèrent que son corps a été séparé en plusieurs morceaux. Donc, Reynolds a fini en nourriture pour Karkin. Le cycle de la vie, c'est pas toujours très beau. Le reste de l'armure a sûrement été dispersé ou emporté dans un nid. Le plastron et l'omnitech de Reynolds apporteront probablement des réponses. Continuons les recherches et les scans, alors. Une autre pièce d'armure. Le casque du chef Reynolds. On poursuit nos recherches. Le scan a localisé le plastron du chef Reynolds, pionnière. Tir unique confirmé. Type d'arme impossible à déterminer. Point d'entrée situé dans le dos et déchirure béante dans la poitrine. D'après les témoignages, Nilken se tenait devant Reynolds quand il a tiré. Donc, ça ne peut pas être son tir qui l'a tué. L'omnitech du chef Reynolds pourrait nous fournir de plus amples informations. Joli travail. Pionnière, il est possible d'extraire des ressources dans cette zone. Vous pouvez extraire des minéraux via votre interface minière. Il doit y avoir des reliquats actifs là-dedans. Allons voir. Je détecte d'autres pièces d'armure. Leur piste semble mener à une grotte non loin d'ici. Ce doit être où se trouve le nid. C'est bien, Nid Karkin. On se déploie. Je confirme la présence d'équipements de l'initiative, dont l'Omnitech attribue au chef de la sécurité Hiram Reynolds. Si vous l'allumez, je pourrai en extraire les données. Accès aux données en cours. Reynolds effectuait un scan au moment de sa mort. Deux tirs ont été enregistrés. Premier tir,
Fusil standard de l'initiative. Cible manquée. Deuxième tir, venant de derrière. Arme Kert à impulsion. Ça prouve que Nilken est innocent. Il n'a pas tiré sur Reynolds. Voilà qui me rassure. Beau travail. Il y a également un enregistrement audio pionnière. Vas-y, lance-le. Non ! Où est Nilken ? Désolé, mon vieux. J'avais pas le choix. Je compte pas mourir sur ce caillou. On dirait la voix de... Confirmation. L'empreinte vocale correspond à celle du suspect Nilken. Ce dernier n'a donc pas tué Reynolds. Mais il en avait l'intention. Il va falloir qu'on ait une autre petite discussion. Pionnière, il est possible d'extraire des ressources dans cette zone. Vous pouvez extraire des minéraux via votre interface minière. Attention à ce qui pourrait rôder ici. Résilience n'est pas simplement un nom. C'est notre devoir désormais. Cet endroit abritait plein d'individus compétents. On est leurs successeurs. Les niveaux de radiation ne dépassent pas les limites acceptables. La commande fonctionne, mais... Impeccable. Trouvons une station de recherche pour voir ce qu'on a déniché. Des pièces pour le projet du site 2. Nickel. Thank you.
Pionnière, ce corps. Un scan devrait nous permettre de le découvrir. Aucune trace de tir. On l'a juste tabassé à mort. On sait ce qui a fait ça. Les Kert ont de sales bestioles avec eux. Porteur M. West. C'est bon, Lexi ? Oui, pionnière. Dossier mis à jour. La technologie qu'on a trouvée sur l'habitat 7 est la même que celle d'ici. C'est ce que les scans suggèrent. Deux planètes maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire. Équipez-vous et allez le découvrir. Compris. Ryder, structure Kert, droit devant. Protocole automatisé activé. Déploiement de la station avancée. Regardez là-bas. C'est... Les gens du site 1 s'intéressaient aux monolithes, eux aussi. Est-ce qu'ils ont appris quelque chose? Surtout le genre de truc qu'on apprend à ses dépens. Mais bon, vous êtes là maintenant. Encore des reliquats. Ceux-ci n'ont pas l'air hostiles. J'arrive tout de suite! Je reviens tout de suite! Je bouge! Qu'est-ce que c'est que ça? Bien fait.
Je détecte un niveau élevé de cryptage reliquat, pionnière. Décryptage requis pour continuer. Vexi, j'en... C'est pas encore complet, on dirait. Lancez un scan pour trouver les glyphes manquants, pionnière. Au-dessus! On est tout près, je le sens. Une fois qu'on aura l'aide du linguiste, on le décodera. Toute cette technologie va forcément nous être utile. Ensuite, je pourrai revoir Carrie. On a démarré doucement, mais on va y arriver. On... Oh non ! Non ! Bordel. Les reliquats sont pas que des robots et des machines à ciel bleu. Faites gaffe. Ils ont sauvé toutes les données qu'ils ont pu, au cas où ça aiderait les suivants. Et les suivants, c'est nous. Interface activée, pionnière. Il va falloir que je passe par l'interface de contrôle. Interface validée. Ça devrait marcher. L'interface a échoué, pionnière. Les systèmes de défense s'activent. Ah.
Bien joué. Un transporteur Kert. Sérieusement? J'en peux plus. Où les cartes ne sont jamais très loin des reliquats qu'on trouve. Je me disais la même chose. D'extraire des ressources dans cette zone. Vous pouvez extraire des minéraux via votre interface minière. Matériel pris aux avant-postes et un module d'évacuation d'arche. Mais où ils ont trouvé ça? Aucune importance. On va leur reprendre. On doit scanner ça de plus près. Cible de Olor, besoin d'assistance. Luto de Niro. Togad. C'est
c'est le chef des Kertz sur cette planète? C'est à lui qu'ils obéissent? Apparemment, ils l'ont trouvé en train de dériver et ils l'ont ramené ici. Extrapolation du point d'origine. Possible, pionnière. Mais l'arche pourrait toujours être intacte, comme l'Hyperion. Espérons-le. Surveillez les coins d'ombre. On pourrait abriter des gens dans ces grottes en cas de besoin. Au moins, il fait plus frais ici. Je détecte des niveaux de radiation supérieurs à la normale. J'aimais bien ces représentations de la future Eos qu'on nous avait montrées avant le voyage. Des prairies, des rivières. Des forêts. Je me demande à quoi ça va ressembler au final. Moins de tempêtes mortelles, ce serait sympa. On y arrivera. Une pionnière, ça suffit pour faire pencher la balance. Ça me fait toujours bizarre de voir le fléau comme ça. On va jeter un œil ? Pionnière, je détecte des cartes parmi ces rebuts.